Longuet, je suis éventailliste, héritière d'une tradition de 4 générations. Par exemple, là ici, vous avez tous les tissus qu'on peut choisir pour faire l'éventail. Après, on prend un gabarit pour couper la feuille à la taille de la monture. Et après, on apprête la feuille. On met toujours un papier journal pour pas que ça glisse parce que ça bouge dans le moule. Et après, on insère la feuille dans le moule pour faire le plissage. Il faut être souple et ferme à la fois. Fait quitter l'école pour être éventailliste. Alors bon, j'étais pas très contente. Et puis finalement, je me suis prise au jeu. Puis une fois qu'il était décédé, là, je me dis, il y a le flambeau qu'il faut que je maintienne. Et bon, puis au fil du temps, c'est devenu une passion quand même. Parce que l'éventail, c'est varié, c'est différent. On fait jamais les mêmes choses. Moi, c'est une mission de vouloir transmettre ce savoir-faire et aussi de pérenniser ce métier parce que c'est dommage parce qu'on a la reconnaissance du PCI, patrimoine culturel immatériel. Et si ça ne perdure pas, bon, ce sera un échec, si vous voulez, pour moi. J'arrivais, il n'avait pas encore d'idée. Et puis au fur et à mesure qu'on discutait, il avançait sur ses notes. Voilà, il faisait ses croquis. Et après, pour le réaliser, c'était autre chose. Mais c'est ça qui me plaisait, parce que c'était un défi à chaque fois. C'est ça qui était intéressant avec lui.